Bonjour Eric, peux-tu nous parler de ta passion ? Ah oui, ma passion c'est simple, c'est au début un petit plaisir d'enfant, on découvre les poissons, on démarre par le guppy, et puis ensuite on essaye plein de choses qui vont, qui viennent, de toutes sortes, et puis au bout d'un moment on s'aperçoit que le guppy est très intéressant, c'est pas qu'un poisson débutant, c'est un poisson très intéressant, et on en arrive à faire des expositions, à faire des concours, à faire plusieurs sélections, donc le but après c'est de partir sur des poissons que l'on achète en général à des éleveurs. Et puis on fait des sélections. Donc la sélection, c'est quoi ? C'est on prend de jolis poissons. Et puis après, on a quand même 12 standards internationaux qui sont à tenir pour pouvoir aller dans les concours. Et là, par recoupement, par lignée, par élevage successif, on arrive à faire du poisson de sélection, donc là on a entouré de plein de poissons de sélection. Et donc le but c'est de coller au meilleur standard. Donc les poissons sont détaillés par leur corps, leur forme, leur couleur, leur forme de nageoire, la longueur des nageoires, donc tout ça pour tenir en standard. Et donc la passion elle vient là, et avoir le meilleur poisson pour pouvoir d'une part l'exposer et puis être reconnu par le hobby, notre passion, et puis ensuite diffuser du poisson, puisque le but c'est de préserver un petit peu aussi les poissons et un jour peut-être le rêve de tout aquariophile de réintroduire des poissons qu'on a enlevés chez nous pour faire la protection. C'est un petit peu le but aussi du club, quoi. Donc voilà un petit peu la passion. Pour réaliser une sélection, il te faut combien de bacs ? J'ai environ 16, entre 16 et 20 bacs qui tournent en permanence, donc ce n'est pas des gros bacs, c'est du bac d'élevage où on a des populations isolées. Donc on se retrouve avec une vingtaine de poissons par bac, c'est des petits bacs qui vont de 20 à 40 litres. Donc on a ça sur des batteries, un petit peu ce qui ressemble un petit peu aux batteries qu'on trouve dans les magasins qui nous vendent, mais là avec filtration et tout ce qui va bien, et puis des eaux un peu spécifiques. Souvent on utilise de l'eau de pluie, puisque les eaux de conduite ne sont pas toujours fantastiques. Et donc on part là-dessus, puis après on a d'autres bacs forcément pour la décoration, puis peuvent mettre ce que l'on considère nous le déchet, qui se vendrait très bien en magasin, et qu'on met dans des grands bacs pour continuer à les élever, donner aux amis quand ils viennent. Puis voilà, en gros, l'installation, oui, ça tourne autour d'une trentaine de bacs, quoi. Pour présenter un poisson, il t'a fallu combien de temps ? Une sélection, quand on part d'un poisson, je dirais classique, il faut bien 7 ou 8 générations. Donc avant de réussir à faire quelque chose qui tienne la route, il faut bien 2 ans, quoi. C'est quelque chose, c'est le travail de longue haleine, parce qu'en plus on peut se tromper. La génétique, ça a quand même des limites. Après, souvent, c'est les poissons qui décident, quoi. Quand on perd des souches ou quand on se trompe dans une sélection, forcément, on n'arrive pas à ce que l'on veut. Donc ça peut être très long. Mais en général, en 2 ans, on arrive à faire quelque chose de correct. Donc c'est un travail de très longue haleine, c'est beaucoup d'observation, connaissance des souches, il faut savoir d'où vient le poisson. C'est pour ça qu'on est un petit peu, nous, entourés qu'avec que des éleveurs amateurs, mais qui connaissons l'historique de nos poissons. Donc le but est ça, il y a l'observation plus un petit peu l'historique du poisson qui, par recoupement et par croisement, on va arriver à ce que l'on veut. Voilà un petit peu la recherche que l'on a. Donc 2 ans, c'est à peu près ce qu'il faut.